Ah, l'avenir, bah, l'avenir, il est tellement schtroumpf. Eh ben, que... Oh bah oui, alors là... Tu es là, bébé schtroumpf. Oh, ça fait des heures que je te cherche partout. Oh, je viens de faire un rêve sur l'avenir qui nous attend. Il y aura des télé schtroumpfs et puis des schtroumpfs mobiles et puis aussi des aéro-schtroumpfs. Oh, des... schtroumpf rêveur. Qu'est-ce que tu schtroumpfs encore? Au lieu de rêver à la longueur de temps, viens plutôt nous aider et essayer le nouveau schtroumpfeur de miel, la dernière invention du schtroumpf bricoleur. Ah bon, ben d'accord. Mais je suis sûr que ça n'est pas aussi original que le rêve que je viens de faire. Schtroumpf bricoleur, ta nouvelle invention est drôlement schtroumpf. Merci, schtroumpf castor. Comme je dis toujours, n'est-ce pas, l'imagination créative ne connaît pas de limite, n'est-ce pas? Je sais que ces petits nabots bleus sont quelque part par là, je ne sais pas. Tu entends? Cette fois, nous les tenons, viens avec moi. Gargamel! Gargamel! Plus vite, Schtroumpf Ghosto, plus vite! Vite, Azrael, vite! Cette fois, ils sont perdus! Ils gagnent de terrain! Ils ne m'échapperont pas plus! Oh, attention, Schtroumpf bricoleur! Oh, non! Nous n'aurons pas de miel pour le petit déjeuner demain! Mais le Schtroumpf Ghosto et moi, on va rester ici pour réparer le schtroumpfeur de miel! Et vous, essayez de trouver un autre arbre pendant ce temps-là! C'est exactement ce que j'allais vous suggérer, n'est-ce pas? La schtroumpfette et le schtroumpfeur vont dans cette direction. Le schtroumpf maladroit et moi par là, n'est-ce pas? Et quand vous reviendrez, on aura sûrement terminé les réparations. Ah ah! Regarde ce que ces misérables vermisseaux m'ont fait! Tu peux être fier de toi, sac à puce pouilleux! Qui ça peut être encore? J'ai déjà donné! Si vous ne me laissez pas entrer, vous le regretterez jusqu'au dernier jour de votre vie lamentable. Ah, bon, si c'est vous le présentez comme ça, alors je suppose que... Oh, par Belzébuth, mais qui êtes-vous? Je suis Esmeralda, la bohémienne, et je peux vous prédire votre avenir. Me prédire mon avenir? Oh, je regrette, je ne crois pas à ce genre de sorcellerie. Ah, vous voulez une preuve, sans doute. Donnez-moi votre main. Oh, bon, non. Oh, je vois que vous ne vous êtes pas lavé les mains depuis des semaines. Oh, je vois aussi qu'un chat noir va bientôt croiser ton chemin. Un chat noir? Mais il n'y a pas de chat noir à des lieux à la ronde dans cette forêt. Néanmoins, votre avenir prévoit une telle rencontre. Je répète donc qu'un chat noir va croiser votre chemin. Oh! Un chat noir! Oui, oui, d'accord, mais il s'agit sûrement d'une coïncidence. Alors je souhaiterais d'autres preuves. D'autres preuves? Oh, mais très bien. Je vais lire dans la bosse qu'il y a sur votre tête. Oh, mais c'est la fille Carabosse. Alors, vous savez dire... Alors, dites-moi ce que vous voyez, j'écoute. Eh bien, dans celle-ci, je vois... Voilà! Il semble qu'un gros orage se dirige par ici. Un gros orage? Mais vous me prenez pour un idiot. Il ne peut pas y avoir d'orage, le temps est superbe. Néanmoins, un gros orage se dirige par ici. Ah, il va falloir attendre des semaines pour voir des... Et maintenant, vous me croyez? Ou est-ce que je dois faire profiter quelqu'un d'autre de mes talents? Attendez, attendez. J'ai une question précise à propos de mon avenir. Bien, bien. Qu'est-ce que vous aimeriez donc savoir? Oh, c'est très simple. Est-ce que j'attraperai un jour ces maudits schtroumpfs? Des schtroumpfs? Oui, bien sûr, des schtroumpfs. Vous allez capturer tous les schtroumpfs que vous souhaiterez. Mais seulement si vous mettez un sac plein d'or dans, enfin, à l'intérieur du tronc d'un chêne tacheté. Un chêne tacheté? Un sac d'or? Mais je n'ai pas de sac d'or, moi. Alors, c'est dommage. Tu es censé être un sorcier. Tu peux sûrement en trouver quelque part. Au revoir. Attendez. Si j'arrive à trouver un sac plein d'or, où trouverai-je ce chêne dont vous m'avez parlé? Cherche bien et tu le trouveras.
Esmeralda a raison, Azrael. Je peux fabriquer de l'or, mais il n'a pas une grande valeur. Ce sac d'or faux va me permettre de capturer tous les schtroumpfs que je voudrais dévorer. Ah, j'ai hâte de planter mes canines dans la peau délicate de ces petits nabots bleus. Je prédis que Gargamel n'aura aucun problème à trouver un certain chêne. Mais Esmeralda, c'est comme vous voudrez. Oh, c'est parfait, c'est parfait. Entendu. Nous reviendrons chercher notre or plus tard. Regardez, Schtroumpfette, un chêne tacheté. Oh, Schtroumpfrever, j'avais jamais encore vu de chêne comme ça. Je me demande s'il est tacheté à l'intérieur. C'est là, Azrael. Comme elle l'avait prédit, le chêne tacheté. Oh, Gargamel. Vite, Schtroumpfette, entrons dans le tronc. Je vais mettre mon faux or dans le tronc et nous verrons si ça me donne des vrais Schtroumpfs. Schtroumpfrever, vite. Oh, des Schtroumpfs. Attrapez-les. Je n'aurais jamais cru que les prédictions d'Esmeralda se réaliseraient aussi vite. Je commence à m'inquiéter, la Schtroumpfette. Le Schtroumpfrever devrait déjà être là. Il vaut peut-être mieux prévenir le grand Schtroumpf, n'est-ce pas? De quoi, Schtroumpf à lunettes? Grand Schtroumpf, Gargamel a essayé de nous Schtroumpfer. Il s'est échappé de justesse. Le Schtroumpfer de miel a eu un accident, n'est-ce pas? Oui. Oui, et la Schtroumpfette et le Schtroumpfrever, ils sont partis chercher un arbre, mais ils sont jamais revenus. Oh, mais où peuvent-ils? Non, non, mais calmons-nous, calmons-nous. Nous allons fouiller toute la forêt et nous les trouverons. Allez, venez. J'avais vu de taches sur un arbre, Grand Schtroumpf. Tiens donc. Oui, c'est particulièrement étrange. Grand Schtroumpf, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez donc. Attends, c'est une carte de tarot. Elle est utilisée par les diseuses de bonne aventure. Et il n'y a donc une seule explication. Une diseuse de bonne aventure a quelque chose à voir avec cet arbre. Ça a peut-être quelque chose à voir avec la disparition de la Schtroumpfette et du Schtroumpfrever, n'est-ce pas? C'est bien possible. Venez, mes petits Schtroumpfs, il faut les retrouver immédiatement. Cet idiot de Gargamel est tombé dans le panneau. Mais oui. Oh, bien sûr. Oh, ce n'était pas bien compliqué de ridiculiser un imbécile pareil. Oh, il nous a bernés. Ce ne sont que des pierres peintes. Oh, cet idiot a osé se payer ma tête, ma parole. Viens avec moi. Nous allons mettre un plan au point. Et je te jure qu'il va me le payer très cher. Vous croyez que la Schtroumpfette et le Schtroumpfrever sont par ici, n'est-ce pas? On va voir ça. Et on se tait. Et on reste ensemble. La diseuse de bonne aventure ne semble pas là. Je me demande à quoi ça sert. Qui est fantôme? Cachez-vous, n'est-ce pas? Le Schtroumpf, alors, Grand Schtroumpf, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement un tour de la diseuse de bonne aventure. C'est un drap. Il n'y a pas de quoi avoir peur, les Schtroumpfs. Et ça, c'est pour quoi faire? C'est encore une autre chose pour berner les gens trop crédules, c'est tout. Inutile d'avoir peur, Schtroumpf maladroit. C'est encore un truc utilisé par la... Oh, Schtroumpf, au secours! Cette fois, je ne crois pas que ce soit un truc, Schtroumpf à lunettes. Qui êtes-vous? Mais enfin, qui êtes-vous? Je suis le grand Schtroumpf. Schtroumpf? Alors, c'est à cause de vous que Gargamel a voulu me berner. Gargamel? J'aurais dû m'en douter. Gargamel, oui. Et je crois qu'il est grand temps de lui donner une très bonne leçon. Je sais comment vous pouvez vous venger de Gargamel et en même temps nous aider à sauver les Schtroumpfs. C'est d'accord. C'est d'accord du moment que je peux tourner en ridicule ce sorcier de malheur. Voilà mon plan. D'abord, le Schtroumpf bricoleur va apporter quelques modifications à son Schtroumpfer de miel. Ensuite... Oh, je vais cuire 6 Schtroumpfs pour me les changer en or. Un escargot, 2 escargots, 3 escargots, 4, 2 petits Schtroumpfs et bientôt il y en aura beaucoup d'autres. J'ai pas le temps, je suis occupé. Mais j'ai une nouvelle prédiction à vous faire, Gargamel. Ah oui, laquelle? Je te prédis que si tu manges ces Schtroumpfs, tu seras hanté par leurs fantômes à tout jamais. Moi, je ne crois pas aux fantômes. À tout hasard. Il vaut mieux que je regarde de nouveau ton avenir. Mais je vous assure, je n'ai pas besoin de... Ah, ne t'approche pas d'eux, misérable! Il est temps d'allumer le feu, les petits! Je ne les ferai pas cuire, Gargamel! Et pourquoi ça? Venez voir!
Oh, très bien. Finissons-en, j'ai une petite faim. Ah, esprit du monde, de l'au-delà, montre au sorcier l'avenir qu'il aura. Oh, esprit de l'au-delà, montre l'avenir qu'il aura. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi à entrer en liaison avec ton avenir, Gargamel. Regarde au centre de la boule de cristal. Regarde, Gargamel! Tu voulais que les Schtroumpfs fassent partie de ton avenir? Oh, c'est le grand Schtroumpf! Eh bien, tu auras des Schtroumpfs! Les Schtroumpfs qui te hanteront jusqu'à la fin des temps! Allez! On va t'avoir! Regarde à ton avenir, Gargamel! Le fantôme! On va t'avoir! Il s'écoulera du temps avant que Gargamel essaie encore de manger des schtroumpfs. Et du temps avant qu'il essaie de berner une diseuse de bonne aventure. Grand Schtroumpf, je me demandais si... Si quoi, Schtroumpfrêveur? Si quelqu'un peut réellement prédire l'avenir. Ça, Schtroumpfrêveur, je ne peux pas te le dire. Personnellement, moi je crois qu'on ne peut que rêver de l'avenir. Rêver de l'avenir? Oh, c'est une bonne idée, Grand Schtroumpf. Rêver de l'avenir? Oh, ça me laisse rêveur.